Nang's Reborn. Waouh! Mais quel est le prix à payer pour la beauté? Si vous ne savez pas qu'il y a un prix à payer pour être belle, cette vidéo va vous confirmer cela. Ouais, il y a effectivement un prix à payer pour être belle. Ce que nous allons voir ici, ça risque de vous choquer. S'il vous plaît, si vous êtes sensible, regardez la vidéo suivante. Bonjour à tous, je m'appelle Yasubon. Est-ce que nous allons voir là? C'est extraordinaire. En studio. Ok, là on parle du prix à payer. Ouais, pour être belle, les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, elles veulent suivre les superstars. Ouais, les femmes classe, très classe de notre société. Mais, il y a un prix à payer. Là, nous parlons des fossiles. Ouais, les fossiles. Les femmes aujourd'hui, elles s'approchent à tout ce qui est faux. Et c'est même ça. Tout ce qui est faux correspond au diable. Faux ongles, fossiles, faux, il ne sait même pas quoi. Tout ça, ça vous rapproche de Lucifer. Tout simplement. Mais, vous l'ignorez pour l'instant. Ce que vous pouvez voir, ce sont les conséquences de toutes ces choses sur les femmes. Regardez cette femme qui est ici, regardez cette femme qui est là. Regardez là. Eh, la femme, elle a mis des cils très longs sur sa paupière. Du coup, elle se retrouve avec des cils qui font 2 milliards de mètres de longueur. Et regardez ce que ça donne. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons monté ça. Parce que le vent a tout emporté sur son passage. Alors que elle avait juste vu une star comme ça, avec de très beaux yeux et des fossiles aussi. Et ouais, moi que je regarde ça et que je regarde Nyon se répondre ici, je me dis, ah, vraiment, les femmes souffrent beaucoup. Parce que les hommes, eux, sont tranquilles, hein. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Regardez, un homme naturel, extraordinaire, c'est pas du fake. Je suis devant vous. Mes frères et sœurs, vraiment, vous allez vous comprendre que quand on imite le monde, c'est pas bon. Regardez. Ça, c'est encore une autre femme. C'est-à-dire, c'est la femme, une star aux États-Unis. Une star de la musique aux États-Unis qui nous montre exactement qu'elle est belle. C'est son fond de commerce. Ouais, la beauté. Il faut montrer qu'on est jolie. Il faut être belle à tout prix. Même s'il faut passer au laboratoire pour faire la chirurgie esthétique, on s'en fout. C'est ça, le nouveau monde. Le monde d'aujourd'hui, les femmes, elles n'ont plus peur de rien. Elles affrontent tout et tout et tout et tout. Même la mort. Aïe, aïe, aïe. Et c'est exactement ça. Et quand elles font toutes ces choses, elles aiment bien se tirer, se prendre en photo, les exposer et tout ça. Vous voyez que c'est très répandu. Très, très répandu chez les stars. Les stars de la musique, un peu partout, même du cinéma. Toutes les femmes. Ouais, toutes les femmes. Les femmes sont aujourd'hui dans tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux de chez faux. Ouais, ouais. Elles sont prêtes pour nous aujourd'hui là. Regardez. On voit les cils, des cils, des fossiles, l'usage de fossiles. Et là, c'est bien visible, hein, qu'on peut le voir. Et ces femmes-là sont considérées dans ce monde comme des queens. C'est-à-dire des dames. Des dames hors du commun. Ouais. Malgré leurs faux ongles. Malgré leurs faux cheveux. Malgré leurs fossiles. Malgré leurs fausses fesses. Malgré leurs faux seins. Ce monde le considère comme les queens, comme des grandes dames, des dames respectables. Ouais, t'es stupéfiant, destin. Je ne reconnais plus mon pays. Ah! N'est-elle pas belle? N'est-elle pas belle? Wow! Elle est très belle. Tous les hommes du monde aimeraient la voir sur le côté. Mais à quel prix? Ouais, à quel prix? Waouh! Est-elle bien dans sa peau? Elle se le sait, elle sait ce qui se passe dans sa chambre la nuit. Hey, c'est pas sûr qu'elle vient vous raconter cela ici. Regardez. Tout ce que vous pouvez voir, c'est l'apparence. Mais ce qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas voir. Il y a des graves conséquences à s'attacher aux objets du diable. Le diable ne veut pas venir vous donner sa beauté pour rien. Mais en ce moment, vous ne le savez pas.
celles qui sont intelligentes se mettent à chercher à savoir ce qui se passe exactement. Ouais, mais on va peut-être trouver la réponse. Voici le monde dans lequel nous sommes. Un monde de plus en plus fake, de plus en plus artificial. Artificiel. Ouais, elle, à ce niveau ici, avec ceci, ouais, oui, Gigi. Et elle, transformée sur le côté avec de nouveaux cils, comme vous voyez ici. Regardez encore là. N'est-elle pas belle? Ouais, elle est vraiment magnifique, hein, la go. Ah, mais elle doit tout cela sans doute au maquillage. Qui sait? Les femmes peuvent en témoigner. On voit des lèvres extraordinaires, des dents hors du commun, des cils. Ha ha ha! Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Ne la trouvez-vous pas belle? Ne la trouvez-vous pas belle? Aïe aïe aïe, elle est magnifique! Elle est extraordinaire! Mais à quel prix? À quel prix? Voici ce que les femmes d'aujourd'hui regardent et elles veulent toutes avoir la même chose. Elles veulent avoir la même chose, surtout quand femme a l'argent. Quand femme a l'argent, c'est pas bon! Ouais! Plus la femme a de l'argent, plus ses péchés augmentent. Ça, c'est ce que moi je vous dis. Ouais. Plus une femme a de l'argent, plus ses péchés augmentent. Et les filles d'aujourd'hui, elles ont vu ça, elles ont été toutes séduites. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, oh, c'est extraordinaire. Il faut qu'on aille faire la même chose quand même. Parce que c'est quand même joli. Ah, c'est vraiment joli. Il faut qu'on fasse la même chose. C'est là, elles sont allées au laboratoire maintenant pour faire tout pareil. Ouais, elles se sont dit, oh, il faut qu'on passe, on fasse tout ce qui est notre possible pour avoir ça. Et elles ont commencé à faire tout pareil. Passer au laboratoire, changer tout et tout et tout et tout et tout. Ouais, et ajouter des faux cils. Des faux cils. Et ça a commencé à devenir populaire. Populaire, ça s'est commencé à se répandre. Et souvent, ici, je vois des femmes utiliser de la colle alpha pour carrément positionner tout ça sur les paupières de ces jeunes filles-là. Et les femmes en font des gens ou en font des gens. Positionner tout de la colle alpha carrément sur la paupière de ces jeunes filles. Regardez, quel est le danger qui se trouve derrière? Et si ça tournait mal? Et si ça tournait mal? Mais vous savez, elles n'ont pas de soucis avec toutes ces questions. En fait, elle se la pose même pas. Elle a déposé carrément le fossile ici sur son bras et qu'elle va ajouter petit à petit sur la paupière de cette jeune fille. Et tu t'as créé très belle comme ça, ma soeur. Qu'est-ce que tu cherches encore? Regardez. Après tout ça, regardez. Voici le résultat. Quand ça tourne mal, ça c'est le résultat. Quand ça part en couille, regardez. Ah, image numéro 1. Toutes ses paupières sont enlevées, même ses yeux sont en danger. Et regardez en haut. Et regardez ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Comme quoi, tout ne tourne pas toujours bien. Souvent, ça part en couille. Ça devient des problèmes sur elle. Eh Seigneur Jésus-Christ, le diable combat les femmes d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Regardez. Un truc qu'on avait dit, qu'on s'était dit que ça allait être joli, c'est magnifique. Regardez comment ça commence à devenir. Regardez juste là, juste là. On a l'impression qu'il y a la colle même pas, au moins sur les paupières, juste là. Genre vous allez enlever ce que Dieu vous a donné, ça. Genre original. Vous voyez, moi, je suis bien placé, mais je suis bien placé pour parler ça. On dirait que je suis bien placé pour parler de ça. Regardez. Oui, elle va nier ça là. Elle va nier ce que Dieu lui a donné. Elle va nier tout ça pour remplacer par des choses qui n'ont pas de sens. Regardez. Alors que Dieu a créé toutes choses pour un but. Dieu a créé toutes choses pour un but. Et vraiment, le diable vous a eu. Les femmes, le diable vous a eu. Ouais, le diable a tort. Il a tort même en vous, même d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Regardez le résultat. Regardez. Hey. Jesus is Lord. Wow. Même sa paupière. Oh, elle était de s'enlever comme au bon vieux temps. Aïe, aïe, aïe.
Et regardez ce que ça donne au final. Comme vous le voyez, c'est comme s'il avait perdu son œil, quoi. On va dire, il a perdu son œil. Il nous a dit, Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que ça donne, mes frères. Regardez ce que ça vous donne. Ça peut vous choquer, moi, mais ça m'a choqué. Mais il faut que nous montons ça. Pour que ça ne vous arrive pas. Pour que ça ne vous arrive pas. Quand le diable vous présente ces choses, il vous fait croire que c'est extraordinaire, c'est supérieur à tout et vous pouvez les utiliser sans problème. Mais les conséquences derrière vont bien au-delà de ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand Dieu a créé tout ça là, tout ce qui est les cils et les sourcils, tout ça là, Dieu les a bien positionnés en place. Lui-même, quand il a fini de créer tout ce qu'il a créé dans le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, il est bien barré, il est bien travaillé. Tout ce qui est fait, c'est bon. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chose que vous pouvez modifier encore. Il a fini. Machaoué, il a fini. Kumambana. Mais qu'est-ce que vous voulez ajouter encore? Moi, je ne comprends pas. Et quand vous décidez de suivre les choses de ce monde, vraiment, vous comprenez que Dieu a vraiment bien créé les choses et qu'il ne faut même pas déplacer quoi que ce soit. Regardez ici. Voici. Ça, c'est la jeune femme. Peut-être elle est allée passer du bon moment, du bon temps, elle est sur un bateau et apparemment tout avance à vive allure. Et regardez ce que ça fait à ses yeux, regardez ce que ça donne fait à ses cils. Regardez, ça donne de lui ouvrir les yeux comme si on ne savait pas quoi. Elle se demande, mais oh, qu'est-ce qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé ici? Qui m'a mis des problèmes comme ça? Qui m'a mis des problèmes? Regardez ce que ça donne fait à mes yeux. Ah Seigneur, là vous allez voir que Dieu a créé tout ce pour un but. Pourquoi les femmes se fatiguent? Pourquoi les femmes vous fatiguez comme ça? Oh, hey, le diable vous fatigue. Le diable fatigue les femmes d'aujourd'hui. Le diable vous fatigue. Ouais, toi le diable tu es un fou gars. Hein? Et vous allez voir encore ici, regardez encore ici ce que ça donne. Ah, comme quoi on nous dit, ne fais pas de très longs cils ou de très longs faux cils, c'est pas bon. Regardez. Là, je pense que vous voyez bien. Dieu a créé toutes choses pour un but. Ne vous trompez pas pour changer quoi que ce soit, sinon vous allez apprécier. Ouais, de l'entendre les conséquences. Regardez ça. Eh Seigneur. Waouh. Jesus Christ. Bon courage à vous les sœurs. Ah! Moi je suis resté naturel. Est-ce que je suis mort? Hein? Moi je suis resté naturel. Est-ce que je suis mort? Ou mais il vous fait peur? Parce que je suis naturel. Il a les cils naturels. Les cils et les soucis naturels. Il fait peur. Oh pardon. Qu'il devient comme nous comme ça. Il y avait le faux. Ah mais il y a le cils ou quoi? Qu'est-ce que je parle à vous? Maintenant, les hommes commencent à comprendre clair de cette histoire. Ils ont décidé de réfléchir. Désormais, les hommes disent que tout ce qui est faux n'entre pas dans la maison. Les femmes aussi disent que, ok, il n'y a pas de souci, c'est qu'on va rester chez vous. Non, on n'est pas prête pour vous aujourd'hui. Ni demain, on pouvait rester dans notre fausseté. Hey, mes soeurs, nous allons rendre compte à Dieu pour tout ce que nous faisons, quoi. Même pour tout ce que nous transformons sur notre corps. Ton corps est le temple de Dieu, non? Tu ne dois pas utiliser ton corps pour faire n'importe quoi, non? Hé, hey, Seigneur! Faites attention, mes frères. Faites attention, mes sœurs. Ne faites pas ça chez vous. Avant d'utiliser quoi que ce soit qui est à la mode, attendez un peu de voir les conséquences de ça sur les gens qui vont aller les utiliser d'abord. C'est comme un nouveau vaccin arrive. Personne ne les a utilisés. Toi, maintenant, tu cours, tu vas prendre le vaccin. Ah, attends un peu. Attends un peu ou bien. Tu sais pas les conséquences, les effets négatifs de la chose. Toi, maintenant, tu cours, tu en tas même temps, tu en tas. Tu veux sauter dessus. Non, c'est pas possible. Regardez-vous-même. C'est pas possible. Non, je peux pas voir ça imiter. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous prévenir, mes frères et soeurs. Faites attention. Dans la vie réelle, moi, j'ai vu une fille. Elle allait faire ça. Vous savez, on met du col alpha à l'intérieur. Et la col alpha est rentrée dans ses yeux.
Ses yeux sont devenus rouges comme c'est pas possible. Elle ne sait pas quoi dire. Mais demain encore, on va le refaire. Parce que c'est le prix à payer pour la beauté. Serez-vous prêt à payer le prix pour être belle? Serez-vous prêt à mourir juste comme ça à cause de la beauté, juste pour paraître belle aux yeux des gens? Ha! Si vous voulez faire plaisir aux gens, vous ferez plaisir au diable. Mais si vous vous éloignez de cela en restant naturel, vous allez plaire à Dieu. La vie, c'est un choix. La vie est un choix. Faites votre choix maintenant. Ça vous déjouer. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons parler des faux ongles maintenant. Une fille avec de faux ongles qui ne savait pas comment elle a fait pour pareil. Tout ça tout à l'heure. Soyez prêts. Abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à François d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urban et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Names Reborn.